Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'avion BF-109B pour une petite croisière douce et tranquille au milieu d'avions Shintok, USS, anglais et n'importe quelle autre race, je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas on va en chier, c'est parti, on va attaquer, je suis avec Elimatif, bonsoir. Et bonsoir. Voilà, on est sur World of Warplane après World of Tank, donc là je vais me prendre en chasse quelqu'un, je vais essayer du moins, parce que c'est un BF-110, donc je crois mon amélioration. Donc plus fort que moi normalement. Bien plus fort que moi. Et je ne peux sûrement pas lui faire grand chose, ça c'est sûr. Même. Ta mère. C'est même bien sûr que je peux pas lui faire grand chose. C'est la guerre la totale. C'est la guerre la plus totale. Oui, alors World of Warplane, contrairement à World of Tank, parce que World of Tank est très très tactique. Vous avez le temps de faire les choses. Alors que World of Warplane. Il faut foncer, hein. Vous avez pas de d'autres. Oh putain, je me fais poursuivre. Moi aussi. Je décroche. C'est la guerre complète là où on est parti. Hein. On est des fifous. Hein. Ouais, on est des fifous. Ouais, trop des fifous là. Oh putain, je vais mourir. Ouais, je décroche total. Oh 4, putain, je suis mort. Ils sont 4 sur toi. Ils sont absolument ouais. Non mais c'est foutu. Et ben voilà, c'est. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Nous sommes juste. Moteur endommagé. En panne d'essence ou comment dire en feu. Mais l'atterrissage va se passer en douceur et petit spoil, attention. Et voilà, atterrissage imminent. Voilà. Et on se retrouve dans un tank. What the fuck? Voilà, c'était petit spoil. mais ça, vous verrez plus tard. C'est un petit kiff qu'on va se faire. Ce sera World of. World of Film. Je sais pas comment on l'appellera. On l'appellera World of le film. Ou un truc comme ça. Ou World of War. Bah non, parce que ça pourrait faire... ouais, je sais pas. Attends, je vais me mettre sur ton avion. T'es encore vivant? Je suis mort. Tu es mort. Eh ben, je propose qu'on se casse, parce qu'on va pas vous faire perdre de temps. On n'a pas que ça à faire. Donc, comme je disais, donc World of Tank est beaucoup plus tactique. Vous avez le temps de faire les choses, alors que là, vous foncez. Il y a trois stratégies. Il y a trois strates. Vous foncez soit direct dans le tas et vous êtes mort. Vous prenez de l'altitude. Vous prenez de l'altitude et... et ensuite vont foncer vers les ennemis en pique sur eux, qui sont plus bas que vous bien entendu. Enfin s'ils ont pris la première option complètement conne, mais on le fait, bien sûr, comme tout le monde. donc si vous faites ça, ça devrait aller. Et la troisième technique, c'est de passer inaperçu. Voilà. Ou alors de bien se tapisser au sol pour pas se faire trop voir, mais bon, au bout d'un moment vous êtes flag, ça c'est sûr. Et je te propose de prendre un autre avion. Je te propose, est-ce que tu as le FW57? Ouais. Est-ce que tu as la bombe sur le FW57? Alors attention, FW57, bienvenue sur l'Airbus A380 remodifié puisqu'il a pris 300 mètres de plus. What the fuck? non mais c'est vraiment un très très gros avion. Et il a combien de bombes déjà? 6. 6 bombes. Je les ai pas. Bah je les avais la dernière fois, non? Ah oui, bah, je les ai. Elles sont où? Elles sont censées se mettre où les bombes? Ah, en bas, ça s'ouvre. Je vais mettre dans la maintenance. Peut-être que mes bombes sont pas rechargées. Ah, il y a un volet qui s'ouvre. Donc on les voit pas là. Non, on les voit pas. Elles sont pas apparentes. D'accord. Donc c'est parti, tu mets ton FW57. Donc là la strat, ça va pas être d'attaquer de front les gens, ça va pas non plus être de les attaquer d'en bas, c'est pas possible, c'est un chasseur lourd. Ce n'est pas un bombardier, attention. Mais ça a des bombes quand même, et ce qu'on va faire c'est quand même un bombardement, puisqu'on va aller bombarder le max de bâtiments et essayer d'avoir le QG de l'autre équipe, donc de l'équipe adverse. Voilà. Et après, Je ne connais pas du tout cette map. Ouh, une nouvelle map. On va la découvrir avec vous les amis. Une nouvelle map, forteresse. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, ouais. Sinon. Pas de se bloquer au milieu, oui, moi aussi, vous t'inquiète pas, allez, chargez au bout d'un moment. Vous pourrez télécharger le jeu gratuitement via le lien qui sera dans la description. Il y a aussi mon Twitter si je ne l'oublie pas. Et puis voilà. Voilà. Et sinon vous pouvez laisser un petit like et puis vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Voilà. Et nous on va attendre que ça se finisse. Et on va commencer. Bienvenue mesdames et messieurs dans le vol du FW57.
vous allez assister à une bataille épique. Une bataille où, si on commence à se faire poursuivre par un rang 4, on va commencer à souffrir sa mère. Une bataille où je vois Enimative qui n'est peut-être même pas chargée. Tu es chargé ? Non, toujours pas. Non, voilà. Absolument pas. Donc Enimative n'est pas dans le jeu, mais avance. Voici Enimative, je lui tire dessus. Non, je déconne. Non, mais arrête, tu l'entends là ? Ma mitrailleuse. J'entends les balles, arrête. Voilà, t'es en train de prendre cher là. Voilà. Ça ne charge absolument pas, mais c'est parce que je dois. Et comme j'ai 4 internet à côté. Non, mais t'es en train de foncer au milieu, mec. Putain. Je peux rien faire. On monte. Non, mais s'il te plaît. Charge, charge, charge. C'est bon, ça charge, charge. Monte. Oui, oui, oui. Monte. C'est bon, c'est pas ça, Jorex. Attends, monte. Monte, dépêche-toi. On est plein front avec les autres, mec. Et pourtant, ils sont beaucoup plus hauts que nous. What the fuck? S'ils commencent à nous prendre de bas, on est mort. Monte. De toute façon, notre but, c'est le QG. C'est limite une mission suicide. Soit on y arrive, c'est bon. Et ben, bingo alors, si c'est le QG, notre mission. Et tu fais? Bah, j'y vais. Ah, ta. Bah, ma souris est... Ma souris est buggée. Ah, ça, c'est de la mitrailleuse lourde, par contre. Ma souris est buggée. Alerte. Elle veut pas tourner. What? Tu m'entends? Je suis à la base ennemie. Enimative. Oh non, bon bah ça a craché. D'accord. Bah là regardez, mais je suis en train de bugger. Regardez. Je suis totalement bugué. Bon bah on va re. D'accord, c'est un crash. C'est une bêta. Hein. Ah non, ce n'est pas une bêta, il vient d'ouvrir, mais bon, c'est un crash. Paquet lost, 100%. Bon d'accord. Bon bah on va re. Allez, à tout de suite les amis. Eh ben re les amis. Eh ben voilà, eh ben j'ai rallumé mon jeu et puis je suis re dans le jeu. Enimative est mort bien entendu. Ah, hein, pour changer. Je suis complètement mort. J'ai rien pu faire. Il y avait un I-17 pour suivre. Et quelle branche ça existe ? Tout du coup c'est URSS. Ouais, c'est ça, rang 4 et ça, URSS. Est-ce que je vais faire un kill les amis ? Est-ce que. Non, remonte. Avion, remonte. Oh non, je me suis crash. Oh, c'était magnifique pourtant. Oh, j'allais arriver d'en haut. Oh, c'était dommage. C'était dommage là. Ouh, cet avion, il est joli. Tu regarderas sur la vidéo, il est rouge. D'accord. Par contre, attendez, il y a quelque chose de buggé. C'est parce que... Putain, c'est dégueulasse. Ça m'a mis les graphismes en bas. Je vais les remonter un peu, les graphismes, parce que c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Apparemment j'ai fait un moins 1, donc j'ai kill quelqu'un, donc what the fuck. Non, tu t'es crashé. D'accord. Je vais remettre si en moyen. Tu fais moins 1. Ah, c'est... D'accord, le crash ça fait moins 1, d'accord, ils sont pas très sympas. Ouais. Alors, donc, on va faire... t'as un level 2, parce que sinon on peut tester le japonais si tu veux. J'ai pas le level 2. Alors, je te propose le Hawk 75, level 3. Et c'est parti. Un américain. Donc toi tu as le F3F, ben l'autre, qui est l'autre, j'ai l'autre américain. Voilà. C'est ça. On fait le premier qui arrive à 10. Le premier qui arrive à 10. Ah oui, d'accord. Avec les américains seulement. Ouais, enfin, ouais. Oui, parce que sinon, je prends mon BF. Non mais mon Hawk a bien... C'est... Je joue souvent avec lui. Enfin, je joue souvent, quand je joue. Hop hop hop. Et sinon, bonne année si on vous l'a pas souhaité. Je sais pas si j'ai mis une vidéo après. Si je crois, hein. Non, non, j'ai pas mis. Bah non, bah bonne année. C'est que juste il y a eu un petit problème en fait. J'ai de mon logiciel de montage. Ouais, en fait, bah bonne année. Les... Voilà, bonne année, ouais. Allez, vas-y, looping. Looping autour de l'avion. Looping autour de l'avion, what? Vous y voyez pour rien, c'est dégueulasse. Ah, les graphismes sont quand même bien mieux là. Je suis toujours en train de charger. Oh... Bah attends, je vais me remettre normal. Ah, c'est bon. Attends, j'y suis presque. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelle strat? On fait quelle strat? Oui, je suis dans la partie. On fait quelle strat? Alors, on va faire la strat WZ32C. D'accord. Vous avez compris les gens? Vous avez compris quand même, je veux dire, ça se voit, je veux dire, c'est pas... Écoute, on fait la stratégie de on tourne en rond, on attend que nos alliés font la... Voilà. Maintenant, vous avez compris. On fait la stratégie, on va temporiser et on va monter tout doucement. On fait la stratégie, on longe le sol. Ah non, mais dès qu'il y aura la map pacifique, on va s'éclater. Ouais. Allonger le sol avec des petits avions bien costauds. Ah, toi. Oula, il y a quelque chose qui me tire dessus. Ah non, c'est toi. Attends, vas-y, on se fonce dessus et on tourne d'un coup. Ok, bon, attends. Tu es où? Fais demi-tour, ouais. Toi.
demi-tour. Je te dis, alors attention, retourner acrobatique les gens, c'est juste petit jeu. Je fais demi-tour. Ouais, et après on va combattre hein, les gens, à moins qu'on soit mort. Hop, tu te mets droit et on se fonce dessus. Et on tournera à droite. Donc à droite c'est tu mets ta souris à droite hein. Non, ouh putain. Oh putain, je t'avais pas vu si près. What? Bon, on s'est pas craché, mais c'était un petit peu critique quand même. Bon, allez, on va attaquer. C'est parti. Donc le Hawk a des balles de 7,62 x 4. Donc un tir, normalement, ça en lâche 4. Voilà. Donc hop, ouais, je prends quelqu'un en chasse qui a pris quelqu'un en chasse. Tu m'as pas compris, je m'en fous. Je le prends en chasse quand même. Je vais essayer de pas cracher cette fois. Oui, j'essaie de me péter des gars avec, avec des bombes. Ah, je l'ai loupé. M'étonne pas en même temps. Oula, putain. Oula, y'a quelqu'un qui me tire. À moins que ce soit toi qui me tire dessus sans aucun respect. Non, c'est pas ça, ça doit pas être toi. Y'a quelqu'un qui me tire. SOS. Mec, j'ai 5 mecs derrière moi, what the fuck. Mec, what. Mais attends, mais ils savent que je suis en vidéo ou quoi. What. T'es mort. Ouais non, pas du tout. Mais non mais what. T'avais pas vu. Je me suis fait... Mais non mais attends, je suis sûr que tu t'es cassé comme un connard. Merde. T'es où. J'ai bien l'impression. Tu t'es barré comme un bâtard en fait. Non, GG. Je non, ah non, c'est même pas moi qui l'ai. Putain. Prends ça. Mais le mec, fais bien. Le mec il m'a complètement déboîté. Mais je vais mourir si je me retrouve face à lui. Move. Non, c'est bon, il a bougé. De toute façon, il te mettra s'il a le temps. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça, c'était sûr. Voilà. Ça. Oh, bah, je viens de voir un BF se faire laminer. Il s'est fait déboîter, en fait. Je sais pas si... Ouais, c'est du déboîtage. On va tenter une victoire, les gens, mais c'est que sur World of Warplane, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et puis voilà, et puis faut trouver des excuses, et puis merde, et puis, shit. Et puis, merde. Puis voilà. Et puis bonsoir, bonsoir la biche. Ouais, on se fait une partie au level 4. On tente. Level 4, d'accord. Allez. On la tente. Attends, je suis en train de quitter la partie. Ouais, j'aurais pas dû charger ces pages, un dernier. On va tenter de GG. J'espère qu'on va tomber sur la map pacifique. Comme ça, on va vous longer ce pacifique. Mais c'est magnifique. Non. Ah, t'as voulu prendre le blame. Bah, j'ai que ça en level 4. Ah oui, c'est vrai. Putain, il faut vraiment un chasseur léger au niveau du level 4. Bah, ça sera sûrement l'américain que j'aurai au level 4 en premier. Ouais. Il aurait fallu que tu commences. En même temps, il faudrait que j'y joue en World of Warpain. Ouais, bah oui, c'est que si j'ai joué beaucoup sans toi au début. Et j'ai pu bien XP. On est dans une bonne partie pour nous, du moins. Enfin, pour moi. Ouais, enfin ça va. Du moins, il n'y a pas de level 5, donc c'est plutôt plaisant. Intéressant. Alors, je sais pas si vous reconnaissez cette map, mais c'est la map. Elle a ouf. Elle a ouf. Elle a ouf. Chargé. Donc, on est sur la map qui est sur World of Tanks, qui a été bien sûr agrandie pour cette... On est sur El Balgruf. Elle a ouf. Ouais, El Balgruf. Elle a ouf. Balgruf. Elle a ouf. Elle a luf dans ma pl... Désolé. Je sais pas pourquoi je chante ça, je te chante de la merde. Bonsoir. YOLO. Heureusement qu'il n'y a pas de balles dans ce jeu. Heureusement qu'il n'y a pas de quoi. De balles. De balles. Il y a un nombre de balles par avion. Non, c'est la surchauffe. C'est la surchauffe qui compte. Ouais, mais ça. Je crois quand même qu'il y a des balles au bout d'un moment. Faut pas Remonte. Oula. C'était très très la manière. C'était très très moi, c'était très très la petite technique pour essayer de lui enlever un petit peu de points de vie, je l'en ai gratté un petit peu. Pas grand chose mais bon. Putain, y'a un FV qui me suit. Help. Y'a un putain de charlour qui me suit. Charlour, oui. Moi aussi hein. Putain. Non. Merde. Bristol 146, mais c'est quoi cet avion? Putain. Il est encore mort? Mais ouais, mais je comprends pas, ils me prennent tous en charge. C'est pas possible, j'ai... pas grand chose. Quoi?
Va pas sur ma vision, ça sert pas à grand chose. Non mais je sais, mais... non mais j'ai... si on va aller sur la tienne quand même pour voir la catastrophe. Oh, putain. Attends. T'as trois avions derrière toi. Non mais on se demande des fois. Mais what quoi. On dirait qu'ils nous ont sélectionnés pour nous tuer à chaque partie. Mais vous avez vu on... Là il se fait poursuivre par quatre gars. Faut arrêter. Tu t'en sors bien, Henny. Tu t'en sors bien. Franchement, continue comme ça. Attends qu'il y ait des gens qui viennent t'aider. Enfin, s'il y en a un jour. Décrochage, parce que... décrochage. Vas-y, vas-y, vas-y. Wow. Voilà, ils s'amusent bien. C'est le crash, le par contre, on voit en fait que c'est très lent. Ouais, toi, merde, loupé. Monte. Ouh, tu tentes la, le kill. Ah, oh, dommage. Non. GG. C'était très joli. Ils sont 4 sur moi, mec. Oh, cet avion, il est très joli. Ah, je vole. Il est mort. Ah. Ouh, cet avion, il est très joli aussi. C'est quoi ça? Je sais pas. Je me fume de savoir. Le THS-3. Qui s'est fait défoncer par quoi? Hop, on va changer, on va en faire une petite dernière, allez, parce que YOLO, hein. YOLO la compagnie. D'accord, ça m'a totalement bugué, voilà, merci. Alors, je propose qu'on... Bah qu'on refasse notre strat FW57, mais est-ce que cette fois ça marche? Bah ouais, bah c'est parti. Et qu'on tombe sur une bonne map, parce qu'apparemment la map pacifique, je la vois pas. Un membre n'est pas prêt. Bien avoir. Si, il est prêt maintenant. Je suis prêt. Non, mais c'est que t'étais pas prêt quand j'ai mis bataille. J'espère que je t'ai mis... C'est bon, t'es en bataille, là, hein? Oui. C'est bon, non, parce que... Si ça m'a mis que moi, ce serait pas cool. Bah, au moins, l'équipe gagnerait, quoi. Troll. Ah, mais non, t'y es pas. Si, t'y es... Oh, putain, j'ai eu peur quand je te voyais pas en jaune. Ça me merde. Au début, on se voit pas en jaune. En plus, je suis au-dessus de toi. Puis, et par contre, j'en ai marre là, on tombe que dans des levels au-dessus de nous. Ouais, on n'a pas de chance aujourd'hui, les gens. Mais je vous promets, les prochaines ouais, encore sur Fortress. Seront bien mieux. Parce que la prochaine vidéo sur World of, ce sera du World of Tank. Avec les nouveaux chars qu'on a. On a des petites surprises. Ouais. Voilà. On a progressé, hein. Vous allez voir. C'est très la enfin, surtout animative, parce que moi, il y a peut-être pas trop de changements. Est-ce que je l'avais mon level 6 de. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas le gros bestiau. J'étais ouais. Maximum au level 5. Ouais, j'étais Churchill 1. Hein. Ouais. Non, enfin, on a des petites surprises. Ah oui, et puis il y a aussi un autre anglais qui est pas mal, on vous montrera. Par contre, il est très lent. Il déboîte pas trop, mais il est très le blindage, on va dire. Et puis plus tard, par contre, ça déboîtera bien, ce sera très blindage. Tu viens, on va vers la droite. Tu es où? D'accord. Eh ben, je te suis, je te propose de faire le vol. On se prend l'avion, on se prend le soleil dans la gueule, là, voilà, merci. Ma carte s'est agrandie, comment j'ai fait ça? J'ai une carte juste géante. Tu sais, ça prend l'écran. Moi, je fais du Pac-Man. Tu sais, je bouffe les ennemis directement. Ouais, je sais. Voilà, donc on va continuer. C'est la même map que tout à l'heure quand j'ai bug complètement dans le ciel, what the fuck. Sauf que là on va en fait tout simplement les feinter et on va leur exploser leur putain de base. Ils vont rien comprendre. On tourne. Lol, comment je fais ça? Ouh là, y'en a un qui revient. Putain, on va dans les nuages là, what the fuck? Pourquoi y'a des nuages sur ce jeu? C'est stylé. Mais y'avait jamais moi, eu des nuages en mode... Je peux pas passer en mode assaut, what the fuck. Pourquoi comment est-ce qu'on fait bah normalement c'est mage. Enfin c'est shift. Je fonce vers la base là. Ok, oui, je te vois. Mais il va être détruit de toute façon. Moi je détruis. T'es sûr qu'il va être détruit? Ah non, merci de canon A, ça je suis con. Bon, j'ai lâché des bombes là. Ouais, j'ai lâché mes bombes aussi. J'ai lâché des bombes aussi. Ouais, c'est bon. C'est qui? Ça doit être moi, ouais. Ouais. Attends, mais je vais essayer de régler cette putain de. J'ai plus de bombes. Qui me prend toute ma... maintenant, ce que je propose, est-ce que ce serait une victoire? Ouais. Je sens bien la victoire, les gens. Je sens bien la victoire. Allez, on va les aider, les gens. On va les aider, allez.
On fait une victoire là, pour finir, on fait une victoire, on fait sa victoire. Yes, déjà on leur a baisé leur QG. Donc c'est un jeu assez, pas stratégique, mais plutôt quand même difficile. Au niveau de la maniabilité par contre, c'est enfin, il y a mieux. Je pense qu'ils pourraient faire, et qu'ils auraient pu faire bien mieux. C'est pas non plus un jeu bâclé, mais par rapport à World of Tanks qui donne quand même, il y a de la différence. Maintenant, attendons le prochain, qui est pour l'instant en bêta apparemment, mais bêta fermée je pense. World of Warship, où on fera aussi du contenu hein, sur la série World of, parce que oui d'ailleurs j'annonce il y a une série World of avec une playlist ouais, qui est disponible sur la page d'accueil de ma chaîne. Voilà, on fonce les gens, moi je fonce sans toucher ma souris, je fonce en regardant mon ours Lint, je fonce en regardant mon canard PC du mois dernier et mon paquet de chocomont. Moi je fonce, écoute, voilà. J'ai écran noir. Oui, intéressant. C'est une autre sorte de graphisme. C'est revenu, mais je ne peux pas. Voilà, notre équipe a gagné en fait. Non, même pas. On a gagné. Je viens de reprendre ma. Je viens juste de. C'est pas fini. Hein. Putain, j'ai fait retour 2. C'est très l'écran noir. Ah, je vais me cracher. Non, c'est bon. Voilà ma petite pub. Parce qu'il n'y a pas de respect. Je fonce vers l'ennemi. Il me passe à côté. Oh, dommage. J'ai la victoire. C'est qu'on a gagné parce que j'ai... Ouais, parce qu'on a, fait du kill de bâtiment. En fait, c'est grâce à nous qu'on vient de gagner, les gens. Mais tu sais que quand on détruit un avion aussi, ça fait de la supériorité aérienne. Oui, mais bon, rien à foutre. J'ai fait 4, t'as fait 2. Voilà, quoi, je veux dire. C'est parce que t'as détruit le quartier général. Oui, bah oui, mais c'est grâce à nous, fuck it. Voilà, donc c'est sur ce gros avion, cette grosse boule géante, qu'on va se quitter. Donc, on va aller quand même, on va virer sur un petit avion. On va virer sur notre joli BF, voilà, qui est quand même beaucoup plus petit. Ah, c'est impressionnant. Donc si vous jouez à World of Warplane, si vous avez installé le jeu, si vous avez fait la mise à jour et l'installation de 8 gigas environ, je pense, ou 6 gigas, je sais plus, vous pouvez nous ajouter en contact, en ami, et puis bah, si quand je joue et qu'on est là tous les deux, on fait une escadrille à plusieurs, à 3 normalement, mais bon, s'il y en a qui veulent jouer avec nous, voilà. Donc, pas de problème. Que ça soit sur World of Warplane, sur World of Tanks, ou World of Warship sur plus tard, voilà, sur n'importe quel jeu, hein, quand on joue, et surtout quand il y a la possibilité de faire des escadrilles ou n'importe quel groupe, voilà. Des fois, je joue à PlanetSide 2, mais c'est très rare. Hein. On fera peut-être une petite vidéo un jour, mais je sais pas, c'est parce que c'est un gros jeu. Filmer sur PS2, ça va être chaud. Ouais, j'attendrai peut-être. Peut-être que je filmerai via le gros ordi familial qui arrivera. Ou alors sur PS4 parce qu'il est annoncé sur PS4. Ah, ça je sais pas. Ouais, voilà. Donc on vous laisse. Un petit like, un petit commentaire si vous avez même des conneries à dire, vous pouvez. Enfin, sauf le first ou des conneries comme ça. Et puis au revoir Animative. Hein. Et puis bonne reprise et puis bon bac blanc surtout vendredi à ceux qui ont bac blanc parce que moi je n'ai pas le bac blanc. Enfoiré. Pourquoi t'as pas le bac blanc? Bah si je l'ai. Qu'est-ce qu'il est con. Bac blanc de français donc qui dure 4 heures de 13h à 17h, super, alors que je n'ai pas cours l'après-midi, super, merci. Voilà. Ouais. Donc au revoir. Bonsoir.